We're very thrilled to have Nicolas with us. He's also an alumni of the Rennes School of Business, having graduated one of the first promotions of the groups in Promo 4. Donc, voilà, c'est mon plaisir de le recevoir ce soir. Nicolas. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, bonsoir à ceux aussi qui sont en distanciel. Si, j'espère que tout le monde nous entend. Et puis, voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Vous aussi, là-bas, on essaiera de ne pas vous oublier. Donc, je suis effectivement Nicolas Renaud. Je travaille chez Sony Music depuis un petit bout de temps. Et chez Rennes, effectivement, il y a longtemps aussi. Quand Kurt m'a proposé de venir parler, d'échanger avec vous sur le digital, c'était avec plaisir. Moi, j'aime beaucoup partager l'expérience que j'ai pu vivre à Rennes et que je vis maintenant. Et à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas la chance d'avoir autant à l'école d'alumni, de fait, hein, Promo 4, c'est pas beaucoup. Donc, si je peux être utile d'une manière ou d'une autre, c'est avec plaisir. Et c'est ça l'objet d'aujourd'hui. C'est vraiment un partage d'expérience. Hein, je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste de tout. J'ai deux casquettes chez Sony Music, et ça, comme ça, ça va vous éclairer un petit peu. J'ai à la fois la casquette d'être un directeur de label, donc je m'occupe d'un label de production, marketing et distribution chez Sony Music. Et puis aussi, je m'occupe des labels services, c'est-à-dire de la distribution de labels indépendants. On va y revenir vite fait, je vais vous donner des contextes, parce que c'est quand même mieux pour comprendre dans le business dans lequel on est. Sachant que je ne sais pas si parmi vous, vous intéresse, enfin si j'en sais un, mais je ne sais pas si d'autres parmi vous ont envie d'approfondir sur ce business de la musique au sens large. Si ce n'est pas le cas, bon courage à vous. Sinon, avec plaisir de répondre à vos questions et de creuser un petit peu plus. Ok ? Donc n'hésitez pas à m'interrompre et à faire vivre ce petit moment. Donc, en gros, l'idée, c'est de voir qu'est-ce que le digital a changé chez Sony Music. Donc évidemment, de base, c'est les usages qui ont changé. Alors je rentre dans le vif du sujet, pas de surprise. Ça, c'est pour vous montrer que tout de suite, évidemment, c'est un bouleversement total pour l'industrie de la musique. Donc ça, ce sont les revenus donc, de la musique dite enregistrée. Dans la musique, vous avez donc la musique enregistrée, donc ce qu'on appelle aussi l'édition phonographique. Donc ça, c'est les producteurs de la musique, donc en studio avec les artistes interprètes. Et c'est là où moi, je travaille, chez Sony Music. Après, il y a la partie publishing, c'est-à-dire les éditions, les droits d'auteur, hein, en gros, la SACEM, ça vous dit sûrement quelque chose. Donc, il y a d'autres business. Mais en gros, là, on parle uniquement des revenus de la musique dite enregistrée. Donc, comme vous le voyez, 2008, c'est l'arrivée de Spotify, 2007, Deezer, Napster un peu plus tôt, le peer-to-peer, le gros merdier, là, voilà, à peu près. Le piratage, enfin tout ce que vous avez peut-être vécu. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que le digital, d'un point de vue revenu, de point de vue purement basique, ça y est, voilà, en bleu. Donc ça, c'est le streaming. Le download en bleu clair qui tend aussi à disparaître. Mais du coup, le streaming, le digital, représente maintenant l'essentiel de notre business. On n'a pas encore les résultats de 2021, mais ils sont encore plus, évidemment, éloquents. Donc, le digital, d'un point de vue business, a renversé la tendance et on se retrouve à un niveau équivalent de 2001, grosso modo. En tout cas, on l'a atteint en 2021, pour info. Donc, ce qui veut dire qu'évidemment, ça a été un énorme changement. L'idée, c'est que je vous explique un petit peu ce que ça a changé. Plus précisément, peut-être que ça vous donnera des repères, ou en tout cas, ou des idées, ou des contextes, en tout cas. Sur l'usage, ça c'est intéressant de vous partager ça aussi, je pense, c'est qu'effectivement aujourd'hui la consommation de la musique elle a été complètement bouleversée. Ça c'est l'étude donc, du syndicat international des producteurs de musique, le SNEP étant le syndicat français et l'IFPI étant le syndicat international. Comme vous pouvez le voir ici, ça c'est, donc, on parle de la consommation, hein, donc on va dire en volume et non pas en valeur. La musique physique, CD, etc., et incluant le téléchargement, ça ne représente que 9% de la consommation. Donc forcément, c'est sûr que le nouvel usage avec le streaming vidéo, le streaming, alors quand on dit financé par la publicité, comme vous savez, c'est via les abonnements, donc Spotify, Deezer, Apple, etc., donc il y a des offres d'abonnement, Apple exclusivement, il y a aussi des offres hors abonnement.
Et vous voyez bien que l'essentiel, et ça c'est sans surprise, parce qu'aujourd'hui, le digital dans la musique, c'est notre quotidien. Il reste encore du physique, mais le business se fait beaucoup au niveau du digital. Ça, voilà, je ne vous apprends rien, mais c'est juste pour remettre un peu dans le contexte. On y reviendra si vous avez des questions, évidemment, et si ça vous passionne ou si vous avez des interrogations. Donc, en gros, qu'est-ce que le digital, au sens large, a changé ? Bon, évidemment, je ne vais pas vous refaire le coup d'Internet, etc. Hein, ça a changé beaucoup de choses pour tout le monde. Là, l'idée, c'est de le raccrocher vraiment au business donc, de la musique enregistrée. Donc, ça a changé à la fois la proposition de valeur et du coup, de fait, ça a changé aussi les métiers. Et donc, ça me paraissait important aujourd'hui de vous partager aussi les métiers qui ont surgi de cette révolution digitale. Donc, c'est pour ça. N'hésitez pas après à poser des questions. Bonsoir. Donc, petit arrêt sur aujourd'hui ce qu'est la proposition de valeur d'une maison comme Sony Music. Sony Music fait partie des trois majors de producteurs dans le monde. Il y a Universal aussi, il y a Warner. Donc, c'est-à-dire que ce sont des majors de l'édition phonographique dans le sens où ce sont des structures qui produisent, qui font le marketing, qui font le développement d'audience et qui font aussi la distribution, physique, digitale, etc. Donc ça, c'est le principe d'une major. Et de manière internationale, bien entendu, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour Pias, c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça une major. Donc après, vous voyez, vous avez beaucoup d'indépendants aussi, donc comme Pias, par exemple. Aujourd'hui, il y a Believe, qui est un acteur indispensable de notre business, qui au départ est un distributeur-diffuseur digital, qui s'est associé, qui a racheté en fait une société de distribution physique pour pouvoir avoir un panel large, et qui maintenant commence à produire aussi ses propres contenus et ses propres catalogues. Donc peut-être que ça deviendra aussi une majeure à un moment donné. Donc voilà, sans rentrer dans plus de détails, ce que je voulais juste vous préciser pour que vous compreniez bien en fait notre écosystème, vous avez d'abord la partie production, création, donc artistique, donc repérer les talents, repérer les artistes et les produire. Donc ça, c'est le rôle d'une maison de disques. Pour ça, on signe un contrat d'artiste et donc la maison de disques est propriétaire des masters. Donc, en fait, voilà, donc l'artiste va toucher des revenus, des royautés sur l'exploitation de ses masters. Okay. Une maison de disques, elle a aussi pour mission de gérer le marketing, donc de ses productions. Donc le marketing étant le département... je vous le dis aussi parce que bon, voilà, vous êtes des étudiants, et encore une fois, ça peut peut-être vous donner des repères sur les différents métiers qui existent. Le marketing, c'est évidemment le tour de contrôle, l'outil de pilotage d'une maison de disques. C'est elle qui définit la stratégie, c'est ce département-là qui gère l'image, donc le positionnement, et la stratégie. C'est elle qui gère les budgets, c'est elle qui gère voilà, la vie, on va dire, de l'album. Accompagnée évidemment de tous ses supports. La finance, la comptabilité, j'en passe, c'est des meilleurs, mais en gros, voilà, l'essentiel, c'est le marketing. Le département de la promotion, donc les attachés de presse, voilà, tous ceux qui nous aident à faire en sorte que nos contenus se retrouvent en radio, à la télévision, dans la presse, etc., sur Internet, sur tous les sites, enfin bref, la promotion, donc le développement de l'audience, c'est aussi le rôle d'une maison de disque. Et donc, on le verra après, c'est aussi un des départements qui a été impacté par digital. Donc, une maison de disques, sa mission, au-delà de la production, c'est le marketing et la promotion donc de son catalogue. Et les artistes qui veulent se produire et veulent directement rentrer sur cette voie-là, ils signent un contrat de licence. Ça veut dire que dans ce cas-là, ils restent producteurs de leur œuvre au niveau donc, de l'enregistrement. Donc, ils en assument les frais de la production et ils font appel à une maison de disques en mode licence, pour que la maison 10 s'occupe des investissements, de la stratégie et de la promotion de leur contenu. La dernière case, c'est la distribution de tout ça, évidemment, donc sur tous les retailers possibles, physiques, évidemment, digitaux, et la partie logistique, supply chain, digital, audio, vidéo, etc., et physique aussi. Et donc voilà, pour revenir, moi j'ai deux casquettes chez Sony Music. Donc une, je gère un label qui s'appelle Load, qui est un label de contenu pour la jeunesse. Donc du coup, moi, je fais tout ça, je produis, je fais des contrats d'artistes, de licence et de distribution. Et ma deuxième casquette, c'est la distribution donc, de labels indépendants. Donc là, j'interviens uniquement sur cette dernière case. Voilà. Le but, évidemment, après, c'est que tout ça se dirige vers les consommateurs, vers les fans. Et comme on va le voir, je vais vous le montrer, le digital a changé
sur tous les aspects de la proposition de valeur d'une maison de disques. C'est bon pour vous ? Petite question. J'ai une question. Par exemple, sur 100 artistes, combien signent pour la complète, on va dire, le contrat d'artiste ? Le jambon fromage, là ? Ouais. En fait, c'est assez variable. Ça tend à baisser. Et c'est une des conséquences qu'on va voir juste après de la digitalisation, en fait, c'est-à-dire de la dématérialisation aussi et de la facilité de la production que le digital a apporté. C'est-à-dire que de plus en plus d'artistes commencent là. Le contrat d'artiste, c'est-à-dire l'artiste qui se dit « moi j'ai fait des chansons, j'interprète » ou même « je suis un pur interprète », c'est-à-dire que c'est d'autres qui écrivent pour moi ou qui composent pour moi, c'est de plus en plus rare parce que les artistes ont ce fantasme-là d'être autonomes. Et c'est une des conséquences aussi, c'est-à-dire que le digital, avec les réseaux sociaux, etc., a complètement exacerbé ça. Il y a eu une époque où les maisons de disques avaient le tout pouvoir, en fait. Là, aujourd'hui, l'artiste a de plus en plus le pouvoir. Donc, si on démarre voilà, sur ce qui a changé dans la partie artistique. Donc, évidemment, ça a démocratisé totalement la production, puisque c'était... beaucoup plus simple, c'est devenu beaucoup plus simple de produire par l'enjeu de la dématérialisation, c'est-à-dire on n'avait plus besoin d'avoir des gros studios, voilà, on pouvait du jour au lendemain avoir plus de facilité, on va dire, grâce au digital. Ça paraît idiot, hein, mais bon, Internet, il faut pas, voilà, il faut pas se le cacher, ça a permis tout ça. L'accessibilité a été renforcée, les artistes sont de plus en plus autonomes et ils produisent de plus en plus. Le chiffre clé, pour info, les 60K, c'est le nombre de titres diffusés par jour sur les plateformes de streaming. Donc il y a 60 000 nouveaux titres par jour qui débarquent sur Spotify, Deezer, Apple, etc. Voilà, comme quoi c'est très bien pour la création. Et pour vous, en tant que consommateur, si vous aimez la musique, vous avez plus en plus de choix. Et voilà, ça, c'est une conséquence directe. Évidemment, donc, l'usage, ça a été, on l'a vu juste avant. Aujourd'hui, c'est hyper facile, hein, il y a l'immédiateté, il y a la profusion d'accès. Et c'est sûr que d'un point de vue artistique, la conséquence de ça, pour les producteurs et les directeurs artistiques, etc., et pour les artistes, c'est qu'en fait, ils peuvent sortir beaucoup plus de titres. On est moins dans une culture de l'album. Quand on était plus jeune, pour certains, les artistes avaient tendance à réfléchir à leur carrière sur un album. Ils sortaient évidemment des 45 tours à l'époque, puis après des malins, enfin en tout cas des singles, comme on dit, évidemment pour en faire la promotion, etc. Donc il y a eu toujours la culture du single, les années top 50, hein, dans les années 80-90, voilà, et pas après Hit Machine et tout, enfin, bref, on verra ça dans les archives. Mais en fait, c'était pas à ce point. En fait, aujourd'hui, il y a tellement donc à la fois de production et tellement d'usage que la notion d'album est quasiment anecdotique. C'est-à-dire que l'artiste ne conçoit quasiment plus sa musique comme une suite et comme un tout. Et d'ailleurs, les consommateurs, eux, ils consomment des tracks. Voilà. Rares sont ceux qui vont s'inscrire dans un album avec dans l'ordre de A jusqu'à B, enfin voilà, avec tous les titres. Ça existe encore, heureusement, mais la grosse tendance et le gros bouleversement, le gros changement, c'est quand même ça. Et puis évidemment, l'usage fait que l'artiste, il produit de plus en plus de choses, pas forcément des chansons, mais des podcasts et des audioplays. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'une de mes casquettes, donc c'est un label jeunesse. Et c'est pour vous expliquer à quel point c'est devenu aussi un business aujourd'hui. Les audioplays, c'est les histoires lues. Donc il y a eu pour certains, encore une fois, si vous cherchez dans les archives, il y avait des livres vinyles quand on était petit. On lisait les histoires voilà, dans des manches disques. Mais c'était anecdotique. Aujourd'hui, c'est un vrai métier, un vrai business. Donc ça crée aussi des idées pour les artistes de produire des contenus qui collent au marché. Et donc qui se retrouve à faire pas seulement des chansons, mais faire aussi on appelle ça des pièces radiophoniques en guerre, mais là aujourd'hui ce sont vraiment
des contenus audio play, audio lu, comme les audiobooks, etc., etc. Et même les berceuses, pour la petite histoire, nous, on sort de plus en plus des berceuses. Et l'usage fait que quand on était uniquement dans un monde un peu plus physique, bon, évidemment, sans parler du vinyle qu'il fallait changer toutes les 22 minutes, mais même le CD avait une durée de vie assez limitée. Aujourd'hui, le digital, vous mettez play, ça fait toute la nuit. Donc, il y a des enfants qui s'endorment avec des berceuses, et c'est super bien pour le business. Comme ça, le lendemain, on a fait 12 heures de streaming, personne s'en plaint. Donc voilà, ça c'est vraiment, ça paraît encore une fois anecdotique, mais c'est un bouleversement qui crée du business et qui crée de la création. Voilà, et ça s'auto-entretient. Un des bouleversements aussi du digital, c'est, pour rester sur l'aspect création, c'est tout ce que le digital nous apporte dans l'intelligence artificielle et tout ce que ça peut comporter. Pour la petite histoire, Sony a un département qui s'appelle Sony CSL, qui est un département donc d'innovation. Il y a un bureau à Paris. Encore une fois, je vous donne des informations si toutefois ça donnait de l'écho parmi vous. Et donc, ce sont des ingénieurs qui créent des programmes, qui créent des outils, qui créent des choses, essentiellement autour de la musique, qui ont développé, il n'y a pas très longtemps de ça, un logiciel qui permettait, en mélangeant des sources différentes de musique, d'en recréer une from scratch, en fait. C'est-à-dire sans avoir le risque même d'un plagiat. C'est-à-dire que ça arrivait à créer une partition inédite. Donc, le digital a bouleversé la création, notamment à ce niveau-là. Puis évidemment, bon, voilà, les NFT, voilà, tout ce que vous pouvez, je ne sais pas si parmi vous, vous êtes fan de ça, si vous en avez déjà acheté, c'est sûr que le digital, régulièrement, nous apporte des innovations donnent de l'écho et font de la résonance auprès des artistes qui d'un coup se retrouvent à se dire bah, « Tiens, mais moi, je vais créer ça. » Donc en fait, un artiste qui avait l'habitude juste de composer des chansons, et bien d'un seul coup, il va aussi créer des visuels, il va se retrouver à faire des photos, des créations graphiques, alors que ce n'était peut-être pas forcément sa destination au départ et son métier, mais dans son écosystème, il va proposer voilà, des covers, et puis bah, il va les mettre via n'importe quel crypto en NFT. Et donc ça, c'est encore un bouleversement qui crée du business, qui crée de la création et qui permet d'entretenir tout ça. Et le sourcing aussi a été bouleversé en fait par le digital et par justement tout ce qui est gestion de la data. Donc notamment chez Sony Music, donc qui est forcément la maison que je connais le mieux, on a mis en place en benchmarkant tous les charts qui mettent en avant les projets qui ont de la viralité. Donc, je ne sais pas si vous êtes habitué, sur Spotify, il y a des charts virales, France, monde, etc. Ça vous dit quelque chose? Peut-être que des fois, vous allez écouter en disant, bah, tiens, ce truc-là, du coup, c'est de la nouveauté qui crée ce qu'on appelait du buzz dans les années 2000. TikTok a ses propres charts aussi en viral. Shazam, évidemment, il y a des charts aussi qui permettent, dès qu'il y a un titre qui circule un petit peu, d'être identifié. Et donc, chez Sony, on a créé un énorme benchmark qui permet au directeur artistique de suivre la production et de suivre ce qui se fait, même avant, à la limite, que ça fonctionne. Donc, en fait, avant que ce soit un carton, au tout début, en les croisant avec les taux d'engagement des réseaux sociaux, en les croisant avec les vues sur YouTube, etc., etc., on arrive maintenant à identifier de plus en plus des titres émergents. Donc c'est un outil, le digital est devenu un outil pour la création artistique. Alors pour le coup, c'est plutôt pour les producteurs, pour les directeurs artistiques ou les producteurs qui ont envie de trouver en fait des artistes émergents. Ça peut être aussi intéressant pour les artistes, pour les motiver, pour leur donner des idées de création. Mais en tout cas, voilà, ça, le digital nous a permis donc d'améliorer le sourcing. Et l'identification des talents. Et donc, les métiers, comme je vous disais tout à l'heure, hein, il y avait deux pôles. Il y a la proposition de valeur qui a changé, mais il y a aussi les métiers. Bon, voilà, donc dans l'artistique, data scientist, en fait, ce n'était pas forcément
un métier qu'on pouvait imaginer dans les années précédentes, mais en fait qui existe aujourd'hui et qui nous permet d'avoir une résonance sur la production. Pour la petite histoire, il y a peut-être, depuis 4 ans, 50% des jobs aujourd'hui n'existaient pas il y a 4 ans dans la musique. On en crée en permanence, en fonction justement des besoins, en fonction des nouvelles technologies. Peut-être qu'on va créer un poste de chef de projet NFT dans les semaines à venir, parce qu'à un moment donné, il y aura un tel business qu'il faudra qu'on ait quelqu'un pour s'en occuper à temps complet. C'est bon pour vous? Je voulais vous montrer, quand on parle de data scientist et de data au sens large, le type d'informations qu'on récupère chez Sony Music. Donc ça, c'est par exemple ce qu'on récupère via Spotify. Et vous verrez après toutes les déclinaisons et tout ce que ça peut nous apporter dans toute la chaîne de valeur en fait, d'une maison de disques. Spotify, c'est que les labels Sony. Ça, j'ai pris un titre au hasard de notre catalogue. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, sur une période donnée, donc voilà, du 22 novembre au 13 février, par exemple, sur un track, ouais, on arrive à avoir ce niveau de granularité et d'information. Donc, évidemment, d'un côté, donc le nombre de streams, le taux de le skip rate, au revoir, c'est le taux d'écoute, en fait. C'est-à-dire que le pourcentage de personnes qui écoutent au-delà de 30 secondes. Parce que quand on vous écoute des titres, je ne sais pas vous, votre mode de consommation, mais des fois, vous écoutez 10 secondes, 15 secondes, parce que soit vous vous êtes trompé, soit vous connaissez le titre, ou soit ce n'est pas ce que vous recherchiez. Donc ça, ça revient un peu à calculer le taux d'affect, d'accord ? Le taux de passion. La passion, elle est aussi définie par quand vous mettez votre titre dans la collection. Si vous êtes fan d'un titre, vous le sauvegardez, entre guillemets, vous le likez, et ça nous permet, nous, de mesurer le taux d'affect et le taux de passion. Hyper important, évidemment, dans la suite. Après, vous avez le taux plus ou moins passif ou actif de la consommation. Tout ce qui est forward, c'est actif, back, c'est passif. Vous avez plusieurs façons de consommer. Soit vous êtes actif, c'est-à-dire que vous avez mis le titre dans une collection, vous l'avez mis en favori. Ou alors vous allez directement sur la page artiste de l'album, etc. Bon, je ne vais pas tout détailler, à moins que vous ayez des questions. Mais... Donc voilà, donc on arrive à savoir le taux, voilà, le degré, on va dire, d'intérêt de la consommation. Et puis de le comparer à tout ce qui est un peu plus passif, c'est-à-dire que les gens qui consomment sur les playlists, ou par exemple, là c'est Spotify, vous avez le release radar, par exemple, tous les vendredis qui se met à jour. Bon, voilà. Donc ça, c'est le genre d'informations qu'on récupère. Évidemment, un peu, les données socio-démo, voilà. Et ça, c'est pour Spotify. On récupère ça aussi pour Apple, pour Deezer, pour plein d'autres DSP. Aussi sur... Amazon. Amazon, ce qui est intéressant, et ça aussi c'est une conséquence du digital, c'est qu'on arrive à avoir, donc pareil, le degré, on va dire, d'implication du consommateur, et puis donc la passivité. Donc là, les stations, c'est les équipes, enfin voilà, il y a des playlists dédiées, ce sont les stations chez Amazon. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de voir d'où ça vient, de quel device ça vient, avec la montée en puissance du voice control, donc de Alexa. Et aujourd'hui, ça, c'est un titre de pop lambda. Ça veut dire que 21% des streams ont été générés via le voice control sur Amazon. Dans l'enfant, donc une des parties de mon business aujourd'hui chez Sony Music, c'est 80-85%. Donc, c'est un énorme enjeu aujourd'hui parce que les enfants, de fait, c'est beaucoup plus facile de demander « Alexa, joue-moi la dernière chanson de tel artiste préféré » ou plutôt que de le taper parce qu'à cet âge-là, ils sont privés de tablette ou ils sont privés de… Voilà, bien fait. Donc, ça, c'est voilà, pour vous dire que c'est aussi le digital, un outil après de pilotage pour tout ce qui va suivre dans la proposition de valeur. Et puis, comme vous le voyez, cet artiste-là, si je reviens juste avant, autour du 9 janvier, il s'est passé quelque chose, manifestement, parce qu'il y a eu un pic de consommation. Il a fait Ruquier sur France Télévisions. Il a fait une quoi ? Une émission de télé chez Ruquier, France Télévisions. Donc voilà, tout de suite, ça a généré, pouf, des streams. Et quand on voit sur Amazon, c'est-à-dire que depuis, la partie chanson, donc en fait, les gens qui recherchent cette chanson, peut-être via le voice control d'ailleurs, parce qu'elle a été identifiée lors de cette émission-là, elle est de plus en plus importante. Voilà, ce n'est pas pour vous faire un cours de data, hein, mais c'est juste pour vous dire à quel point on reçoit des éléments importants.
On reçoit aussi des éléments, ça c'est YouTube. Vous voyez le niveau d'information qu'on peut recevoir sur les vidéos. Donc, est-ce que ça vient des playlists, voilà, des vidéos suggérées, etc., etc. Je ne connais même pas tout ce qui existe. Mais on les a. On les utilisera un jour. Bon, voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu l'idée. Donc, tout ça, évidemment. Ah oui, on a aussi ça. Sur, ça, ce sont quand on crée des, quand on a des playlists, quand on édite en playlist, on arrive à avoir le nombre de streams, évidemment, mais aussi le nombre d'auditeurs moyens par jour et le nombre de titres par auditeur. Donc, encore une fois, ça nous permet de regarder si notre performance est correcte par rapport à des benchmarks, évidemment. Donc, ça nous permet d'ajuster. Donc, on y reviendra, mais c'est hyper important de se dire qu'on arrive à ce point de détail. Et il n'y a pas beaucoup de business, en fait, qui ont la chance de connaître à ce point-là leurs consommateurs. Donc, voilà, je voulais vous montrer ça, puisque forcément, ça a des conséquences au niveau donc, du marketing. Donc, vous vous souvenez, hein, le deuxième pôle de la proposition de valeur d'une maison de disques. Forcément, la connaissance des consommateurs, ce que je viens de vous montrer, c'est sans fin. Après, on pourra revenir si vous avez des questions, bien entendu. Vous imaginez bien qu'avec ça, on se régale parce que ça nous permet de connaître les gens, de connaître, de les connaître au point de s'adapter au niveau du marketing, au niveau des campagnes, au niveau, alors évidemment, le retargeting, tous les trucs qu'on fait habituellement. Mais au niveau du ciblage, on est beaucoup plus précis. Comme vous voyez, un titre, si on voit qu'il provient plutôt du voice control, s'il provient plutôt d'une tablette ou d'un mobile, au-delà des catégories CSP, etc. Mais ça nous permet de mieux concentrer, de mieux choisir après nos campagnes. L'agilité aussi, ça nous permet de les arrêter plus rapidement que dans l'ancien monde, entre guillemets, parce que là, on a une réactivité directe. On connaît évidemment le coût par clic et tous ces trucs-là du marketing digital que vous connaissez. Mais là, c'est vrai qu'avec l'évolution de la consommation, on arrive tout de suite à savoir si on fait fausse route ou pas. Et encore une fois, voilà, il n'y a pas beaucoup de business qui ont ce degré de réactivité de la consommation. Donc ça, évidemment, c'est majeur. Mais bon, c'est une évidence, je pense, pour vous. Hein, vous faites du marketing, mais c'est important de se dire que sur une maison de disques, peut-être que vous n'aviez pas cette vision de précision d'une maison de disque. Je ne sais pas si chez Pias, on verra s'ils ont ce degré d'info. On verra. Ça aussi une conséquence, évidemment, le digital sur la stratégie et les investissements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de la culture du track business. C'est-à-dire qu'il y a moins en moins, enfin, il y a encore des albums. Mais les artistes ont tendance à sortir des titres comme ça, sans forcément une actualité d'album. Donc, ça nous permet, nous, de réagir plus rapidement. Mais du coup, ça nous oblige aussi à investir sur le long terme. Quand on sortait des albums, il y avait évidemment, certes, des singles un peu avant, etc. Ça créait du teasing, en fait, et de l'intérêt. Mais on avait des séquençages très précis. Aujourd'hui, on va être obligé d'investir plus souvent, pas forcément plus massivement, mais en tout cas plus régulièrement. Et ça, c'est un vrai changement, en fait, dans notre modèle, puisque on est obligé régulièrement de se remettre en question. Et en fonction de la stratégie qu'on met en place, on va investir plus souvent. Et puis, on va investir surtout au jour le jour. L'agilité dont on fait preuve quand on arrive à savoir si on fait fausse route ou pas, ça veut dire que des fois, il y a des opportunités. Un titre qui va être diffusé sur une série télé, alors qu'on n'avait pas vu venir, ou sur un film ou je ne sais quoi, ou sur une émission type The Voice, un candidat va reprendre un titre du back catalogue sans qu'on soit au courant. Le lendemain, on se rend compte que sur Shazam, boum, il est dans le top 30 et qu'il tombe dans le top viral et que tout le monde le cherche. Et ben hop, ça va nous donner une idée de lancer tout de suite en 3 jours une campagne. Donc voilà, c'est la fameuse longue traîne, hein, évidemment, sur le digital. Mais aujourd'hui, ça a complètement bouleversé notre façon de gérer les stratégies. Bien sûr, ça nous a ouvert aussi des nouveaux canaux de diffusion de nos campagnes. Voilà, je cite entre autres, hein, mais évidemment, tout le marketing qu'on peut faire digital sur les applications,
les applications des médias, sur les applications diverses et variées. C'est un point sur lequel je ne reviens pas parce que je pense que vous êtes des spécialistes aussi, hein, sur les Google, etc., etc. Donc le marketing digital, ça c'est la base, mais c'est vrai que nous, dans la musique, on a aussi des canaux qui nous permettent de toucher encore plus de gens. Le replay télé avec la VOD est aujourd'hui un boulevard pour pouvoir mieux toucher les gens. Et en plus, avec le replay, ça nous permet d'être à un clic de la consommation. À l'ère de la pub télé, on continue à en faire quand même, ou de la pub radio. On croisait les doigts pour que les gens après ils se souviennent de notre produit et qu'ils aillent l'acheter. Aujourd'hui avec le replay on est à un clic, donc ça c'est un gros changement. Et évidemment ça donnait lieu donc à des métiers, j'ai pris des intitulés, je pense que chaque maison disque a son propre intitulé, mais c'était voilà, pour l'anecdote, pour vous dire qu'aujourd'hui on avait des médias planeurs, avant vraiment l'avènement du digital et du streaming et tout, mais aujourd'hui, ce sont des gens qui sont beaucoup plus précis et qui pilotent le marketing digital comme, je pense que dans les maisons de disques, parce qu'évidemment, je vais inclure aussi toutes les maisons de disques, hein, tout le monde est compétent, je pense, en la matière, on a vraiment aujourd'hui on est accurate, comme on dit, sur le marketing digital, beaucoup plus que dans d'autres domaines. Si je vous dis ça, encore une fois, un partage d'expérience, hein, moi, je suis juste là pour ça. Si le marketing digital vous intéresse, bah sachez que dans la musique, c'est un boulevard, parce qu'on a vraiment de quoi s'amuser et de quoi apprendre et développer ses compétences. J'avais une question. Est-ce que toutes ces datas sont conservées uniquement par le pôle marketing pour ajuster leurs actions, ou est-ce qu'elles sont soumises, par exemple, aux artistes qui sont signés chez Sony, au point potentiellement même artistiquement leur dire ça serait bien que tu changes tes paroles pour toucher plutôt cette cible? On va y venir après. Ça a aussi une implication sur les artistes, parce que les artistes, le monde du digital nous a permis de la transparence, j'y reviendrai tout à l'heure, donc pas de spoiler, mais on évite de faire de l'ingérence en fait dans la créativité. L'artiste reste quand même autonome et souverain, on va dire, sur sa création. Ça a toujours existé, en fait, avant le digital, qu'un directeur artistique dise à un artiste « maintenant, ça, t'as pas le droit de dire ça », etc. Aujourd'hui, ça existe souvent et de plus en plus, surtout en urbain, pour des raisons que je trouve évidentes sur la diversité, l'inclusion, le respect des femmes, des enfants, des mamans aussi, pour certains rappeurs. En fait, on n'a pas attendu le digital, on va dire, pour dire à un artiste « non, tu ne peux pas dire ça, tu as une responsabilité ». Voilà. Le digital n'a fait que augmenter son audience, on va dire. Donc forcément, il touche plus de monde et malheureusement, il touche plus des jeunes. Le digital aujourd'hui, les mômes, avant, ils étaient obligés d'acheter un disque ou je ne sais pas quoi, mais là, aujourd'hui, avec YouTube, etc., et TikTok, le filtre, c'est très compliqué. Donc nous, on n'utilise pas les datas pour ça. Parce qu'on a toujours essayé d'avoir une vision responsable, en fait, au niveau des artistes. Après, les artistes, ils font ce qu'ils veulent. Au pire, après, il y a des explicites lyrics ou des clips interdits sur YouTube quand ils dépassent les bornes. Mais ça, on respecte la création. Mais on partage beaucoup de choses avec les artistes, j'y reviendrai tout à l'heure. Pas de questions sur le marketing ? Sur une autre chaîne importante de création de valeur dans une maison de disques. Donc, le digital a changé quoi? Évidemment, les médias, j'y inclus tous les réseaux sociaux et les TikTok, etc. Bon. Donc, finalement, c'est une évidence. Évidemment, ça a changé beaucoup de choses. Mais il faut bien partir du principe que ça, et c'est ce qu'on disait à l'instant, ça a permis de toucher beaucoup plus de gens de tous les âges. Donc, en fait, du jour au lendemain, y compris les enfants dont on parlait à l'instant, se sont mis à écouter de la musique à laquelle ils n'avaient pas forcément accès avant. Ce qui fait que l'urbain, qui était boudé des médias, des grands médias, qui avaient la mainmise, on va dire, sur la communication et sur les canaux de diffusion, c'est du pain béni pour eux. Aujourd'hui, l'urbain représente l'essentiel du business du streaming, parce que ça représente l'essentiel de ce que vous voyez passer sur les réseaux sociaux. Et je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais qui a regardé les Victoires de la musique l'autre jour? Vous en avez peut-être entendu parler. Bon, on a gentiment fait venir SCH à la fin pour lui dire qu'il avait gagné le prix de celui qui stream le plus. On ne sait pas comment le gérer. Parce qu'en fait, on dit, tiens, c'est bien, toi, tu fais du stream.
comme si le monde du stream était à part du monde de la création artistique, des Victoires de la Musique, ce qui est quand même un non-sens total. Donc il y a beaucoup à faire en fait pour mettre à jour les Victoires de la Musique, hein. Il y a un bon reset à faire, mais voilà, ça va se faire, on l'espère tous, mais pour l'instant c'est un peu laborieux. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, le spectateur moyen de France Télévisions un vendredi soir, il a 65 ans, donc SCH ça lui parle pas trop. Donc voilà. Donc, mais voilà, sachez que du coup les réseaux sociaux, enfin donc le digital, au final, on en revient à la thématique d'aujourd'hui. Le digital, mine de rien, c'est là où je veux en venir, a fait émerger un style musical. Voilà. Alors ça vous paraît peut-être évident, mais en tout cas nous on l'avait pas forcément vu venir à l'époque de la piraterie et à l'époque de la création de Deezer, Spotify et consorts. Ce qui peut être aussi un frein pour certaines musiques. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Mais il faut faire gaffe à la diversité aussi. Un des changements majeurs, évidemment, sur, grâce au digital, c'est par rapport au contenu, puisque quand on fait de la promotion, quand on fait la promotion d'un artiste, d'un projet, on touche évidemment, donc via nos attachés de presse, via nos promoteurs, des influenceurs. Alors aujourd'hui, on appelle ça des influenceurs quand ils sont youtubeurs, tiktokers, etc. Mais sinon, ça peut être aussi des journalistes qui ont leur carte de presse. Et donc, tous vont prêcher la bonne parole. Et voilà. Donc, grâce au digital, aujourd'hui, on a des contenus beaucoup plus variés qu'avant. On fait évidemment des contenus innovants déjà dans leur forme et dans leur fond, bien entendu, mais même dans leur forme, les podcasts, les live streams, quand il y a eu le confinement, ben voilà, vous en avez tous eu, je pense. Donc ça, c'est une conséquence évidente, mais en tout cas, elle est majeure dans notre quotidien. Et du coup, le digital, mine de rien, a aussi bouleversé la façon qu'ont les artistes de communiquer auprès de leurs fans. Et aujourd'hui, on voit l'urbain qui est hyper fort sur les réseaux sociaux, donc ils écrasent un peu tout le monde. Il y a des artistes, je ne citerai pas, mais en chanson française ou autre, qui ont moins l'habitude, qui sont moins connectés, ben, eux, ils galèrent. Donc, le risque, c'est qu'ils perdent du public parce qu'ils sont moins présents, ils sont moins agressifs sur les réseaux. Donc, c'est vrai que on parle d'une diversité culturelle, mais clairement, alors, le digital, pour moi, encore une fois, moi, je parle pas au nom de Sony aujourd'hui, vous l'avez compris, hein, je parle en mon nom, mais je vous partage mon expérience, mais c'est vrai que c'est à avoir en tête que la diversité culturelle pourrait être un peu, enfin, est bouleversée, clairement, mais à long terme, elle pourrait l'être encore plus parce que les réseaux sociaux ont pris le pas. Et aujourd'hui, ça peut être un risque. Donc après, j'étais content l'autre jour de voir. Quelqu'un connaît Gérard Lenormand ? C'est fou, c'est génial. Bon, je suis né sous Pompidou. C'est ça qu'il faut dire aussi. Hein. Bref, un artiste qui a 75 ans, vous taperez, vous trouverez forcément des chansons que vous avez entendues dans des campings ou dans des mariages. 75 ans, il arrivait sur TikTok et c'était rigolo de voir les commentaires de beaucoup de gens. Ils disaient « Ah, bienvenue Gérard, moi j'ai 74 ans, bienvenue sur TikTok ». Et il y en avait plein. Ça m'a rassuré. Quelque part, je me dis peut-être que tout n'est pas perdu et c'est rigolo. Voilà, bref. On a créé beaucoup de métiers dans la grande famille de la promotion. Donc, des audience développeurs, du community manager évidemment, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Pour gérer les réseaux sociaux notamment, mais vraiment le content manager et l'audience développeur chez Sony Music, c'est 30 personnes. C'est ce qu'on a embauché le plus depuis 3 ans. Voilà, pareil, partage d'expérience, si ces genres de métiers vous intéressent, donc comment développer l'audience, c'est-à-dire comment utiliser les datas pour savoir comment on va pouvoir toucher les gens, pour pouvoir être réactif, créer des contenus adéquats. Donc, il y a une part créativité, il y a une part de marketing et de stratégie. Donc, ce sont des métiers super intéressants. Moi, j'ai une question en fait sur l'image de l'artiste par rapport à ses réseaux. Je sais pas, on prend par exemple Gims qui doit avoir des milliers voire millions de followers sur Insta. J'imagine qu'il y a une grosse équipe qui réfléchit son image et le contenu qui va être partagé. Mais du coup, quelle est la liberté de l'artiste par rapport à ça, au même titre que ce qu'on évoquait sur la création musicale. Sur les paroles, franchement, elle dépend vraiment des artistes. Il y a des artistes qui les pilotent eux-mêmes, leur réseau, okay. Et il y a des artistes qui ont des équipes. En général, on essaye quand même de coller une équipe à un artiste pour l'aider. En fait, nous, on est là pour les aider. Hein.
le rôle de la maison libre, bon, ce n'est pas l'objet de la discussion de ce soir, mais nous, notre rôle, c'est de signer des artistes avec une singularité et après d'optimiser la singularité. Bon. Donc, un artiste qui nous dit, moi, les réseaux sociaux, j'y connais rien, on va essayer de lui expliquer qu'aujourd'hui, ça fait partie des choses importantes, surtout parce que lui va maîtriser du coup sa communication. C'est ça la grande force des réseaux sociaux, c'est que c'est nous qui communiquons. On ne peut pas après dire, ah oui, mais moi j'ai fait une interview, je n'ai pas vraiment dit ça, ou ce jour-là j'étais mal filmé parce que je n'étais pas maquillé, je suis arrivé à la bourre, je n'étais pas bien. Non, les réseaux sociaux, du coup, on maîtrise. Donc ça, c'est une force énorme. Mais voilà, un Julien Doré, par exemple, il est devenu, je ne sais pas si c'est un artiste que vous connaissez et que vous suivez particulièrement, mais sur Twitter notamment, bah, il est hyper fort parce que voilà, le côté haters, bah, lui il a pris ça à son avantage, et donc aujourd'hui il a pris le parti de répondre de manière humoristique, voire même des fois de manière franchement haters à nouveau, et il en a carrément fait un livret. On a sorti un recueil de ses plus grands tweets dans une édition de Noël il y a 2 ans, et voilà, donc et ça, c'est pas quelqu'un qui, dans la maison 10, lui a dit « Julien Doré, ça serait bien que tu te mettes à faire ça ». On n'a pas ce pouvoir-là, on n'a pas ce talent. C'est vraiment un truc qui vient de ça. Après, on peut s'inspirer des choses et puis dire à un artiste « Tiens, t'as vu ce qu'un tel a fait, ton copain a fait, donc essaie de faire ça ». Les artistes, ils font ça d'eux-mêmes. Mais voilà, donc en gros, Gims, je pense que quand il poste, c'est un artiste que je distribue, quand il se poste devant son jet privé, je pense que ça, c'est sa maisonniste qui a dû lui dire ça serait bien de temps en temps de mettre un truc comme ça. Puis à un moment donné, sa maisonniste, je sais qu'aujourd'hui, elle se dit ça serait bien d'éviter maintenant entre. Parce que, accessoirement, c'est pas un jet privé, on va dire électrique. Hein. Voilà. Et puis pour faire Mont-de-Marsan en Paris, peut-être que tu aurais pu prendre le train. Des fois, il se fait un peu plaisir aussi. D'où, il y a des métiers que j'ai pas mis là, mais c'est la gestion de crise aussi. C'est-à-dire que ça peut exister aussi hein, maintenant. C'est-à-dire que les attachés de presse ont maintenant plus une formation de gestion de crise pour dire « Ah, merde, il y en a qui a sorti ça sur les réseaux sociaux ou à la télé. Comment on va faire pour gérer le bad buzz ?» comme on dit. Oui, ça, c'est des nouveaux métiers d'attaché de presse. Ça, c'est, Pas d'autres questions ? Mais il faut écouter Gim, ça, c'est important. Conséquences donc du digital dans la partie retail. Donc là, on est dans la partie distribution. Donc tout d'abord, petit focus sur le retail. Évidemment, la conséquence, c'est la multiplication des clients. Effectivement, il n'y a pas que Spotify, Deezer, etc. Ça, c'est aussi juste pour vous donner un peu une information là-dessus. Dans le monde, il y en a plus de, voilà, il n'y en a pas loin de 1500. Il y en a régulièrement qui se créent. Donc ça, c'est génial parce que du coup, ça crée une émulation. Parce qu'au début, on était un peu tout seul. Hein. C'est Apple qui a décidé qu'un album serait à 9,99 et qu'un titre serait à 0,99. Hein. Les maisons de disques n'ont pas eu le choix. Et les artistes encore moins. Donc la rémunération, pareil. C'est-à-dire que quand Spotify est arrivé, ils ont dit bah, « Nous, on va faire une offre à 9,99. » Nous, on a dit « Ah bon ? C'est pas beaucoup ?» Et surtout quand on a vu ce qu'ils nous reversaient. On a dit bah, « Non, ça, c'est pas assez. » Mais bon, donc tant mieux s'il y a de la concurrence, tant mieux s'il y a des mouvements là-dessus. Mais donc au-delà de la multiplication des clients, Le bouleversement évidemment du digital, c'est la fin des frontières. Voilà. Donc aujourd'hui, encore une fois, c'est une évidence, mais je vous donne des éléments de contexte. Joe Dassin, ça vous dira rien encore non plus. Si, ah, peut-être plus que Gérard Lenormand. Bon, comme quoi. Joe Dassin, la moitié de ses revenus, la moitié de ses streams, en fait, viennent hors de France. Ce qui n'était pas le cas avant du physique. On arrivait à vendre des disques dans les pays francophones, mais c'était tout, quoi. Alors qu'aujourd'hui, la moitié de ses revenus viennent de l'export. À Patrick Bruel, par exemple, c'est 30%. Donc voilà, ça a été aussi une source de revenus du jour au lendemain grâce à la mondialisation avec les expatriés, avec les curieux, voilà, quoi. Donc ça, c'est un élément évidemment important dans le retail. Je passe vite parce que ça, c'est assez évident. Ce qui est intéressant aussi avec les datas qu'on a vues tout à l'heure, on en a plein d'autres, hein, je vous ai montré les principales, mais ça veut dire que du coup, au niveau retail, le digital a optimisé aussi la maîtrise de notre catalogue. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que des acteurs, donc parmi les plus de 1000 qui existent, diffusent nos contenus, et à un moment donné, on s'est dit, ben, en fait, c'est du digital, il n'y a pas de stock,
c'est du flux, pourquoi pas nous, quoi, en fait, en gros. Et en fait, ça a donné les idées aux maisons de disques de reprendre la main sur leur distribution eux-mêmes, auprès directement des consommateurs. Donc on le fait de deux manières, donc on le fait en D2C directement, donc là, c'est du physique en fait. C'est-à-dire que c'est le digital qui, d'un seul coup, remet au goût du jour le rôle, enfin là, le poids, on va dire, du fan. Et donc, on se dit, pourquoi on discuterait pas directement avec le fan? On a toujours fait hein, des ventes en direct, des fan clubs, ça a toujours existé. Et puis, les gens s'inscrivaient, ils recevaient des goodies et on vendait, voilà. On vendait à la fin des concerts, on continue de le faire en physique. Mais du coup, maintenant, on arrive avec les points com, Amazon, Fnac, etc., à vendre des produits, donc des produits adaptés. Je ne sais pas si vous êtes coutumier de ça, si vous aimez la musique, mais il y a des artistes qui font des collections spécifiques, qui associent un CD plus un t-shirt ou un CD plus je ne sais pas quoi. Et en fait, aujourd'hui, le business de l'e-commerce sur une semaine de sortie d'un album, c'est la moitié des ventes physiques. Donc, Fnac.com, Amazon, c'est la moitié, voire plus. Vous connaissez Vald? Voilà, bon, je ne sais pas si vous avez suivi, il a sorti un album il n'y a pas longtemps. Eh bien, il a vendu 46 000 albums physiques en première semaine, grâce au e-commerce. Parce qu'il a sorti quatre versions et les gens voulaient collectionner. Voilà, donc, bizarrement et indirectement, le digital a permis de remettre au goût du jour le physique sous la forme de merchandising. Les playlists, filter, c'est le mot, c'est la marque que Sony a développée, a créée pour gérer ses propres playlists. On le voyait tout à l'heure, hein, l'écoute passive via les playlists est non négligeable sur les artistes. Donc chaque maison disque a créé ses propres playlists pour essayer de gérer l'éditorial. Parce que sinon, les playlists de Spotify, d'Apple et Deezer sont faites soit de manière algorithmée, soit par des éditorialistes, mais donc auxquels on n'a pas accès. Nous, notre rôle, c'est juste de promouvoir nos titres pour qu'ils intègrent ces fameuses playlists, comme les playlists de radio, d'énergie ou de France Bleu. Filter, c'est la marque Sony. Et aujourd'hui, on crée nos propres playlists. Et par la connaissance des consommateurs, CF, le marketing, les slides d'avant, on arrive à directement toucher ces gens-là et leur dire « écoutez notre playlist ». Alors, donc ça génère des streams, soit sur Deezer, soit sur Spotify, soit sur les DSP en général. Mais au moins, on pilote la ligne éditoriale. Donc, on se fait plaisir, on met nos titres. Et ça représente une part du business qui peut aller de 20 à 50% en fonction des artistes. Donc voilà, encore une fois, le digital, d'un seul coup, nous a donné plus la main pour gérer nos propres business, soit en digital, soit en physique, pour prendre ces deux exemples-là. On en parlait tout à l'heure. Donc, la transparence, ça, je l'ai mis dans la partie retail, puisque aujourd'hui, les artistes, avant le monde du digital, ils recevaient leurs décomptes. Donc, un artiste, quand il est signé en contrat d'artiste, il touche des royautés. Un pourcentage, donc, calculé sur les revenus générés par les ventes. C'est la même chose s'il est en licence, c'est-à-dire qu'il va avoir un pourcentage également. Eh bien, en fait, avant, il recevait un décompte tous les 6 mois. Donc, tous les 6 mois, on lui disait, voilà, t'as vendu tant. C'est le cas, par exemple, avec la SACEM. La SACEM, c'est tous les 6 mois où l'artiste sait combien il a touché de droits d'auteur. Eh bien, en fait, on a mis en place un site, une appli, qui s'appelle Artiste Portal, qui donne accès aux artistes à leur compte. Donc, en fait, on leur montre à la fois leur niveau de stream. Donc, en fait, ils savent combien ils ont fait de stream chez Spotify, machin, dans le monde, dans quel pays, quel est le titre qui a le plus streamé. Enfin, il y a un degré d'information qui est très complet. Et au-delà de ça, au-delà du côté ludique et informatif, ils ont une capacité à la fois demander de toucher leur royauté plutôt que d'attendre les 6 mois. Également, le fait de pouvoir demander une avance. Et donc ça, en fait, c'est une transparence notamment au sujet de l'accès à l'information et aux data. Parce que souvent, on a taxé les maisons disques de dire « ouais, vous avez plein de trucs, mais vous les affilez à personne, etc. » Ben non, en fait, nous, on donne tout en accès libre aux artistes pour qu'en plus, ils puissent piloter leur compte et se dire bah, « tiens, moi, j'ai besoin de revenus, donc je ne vais pas attendre 6 mois, je vois que là, j'ai dégénéré tant, donc bah, du coup, je vais demander au service comptable de me payer. » Une conséquence du digital, donc concrète, sur la relation aux artistes. C'est quand même pas rien. Donc évidemment, ça a généré tout un tas de métiers.
Donc voilà, le D2C manager, bon, re-data scientist, donc des éditeurs de playlists. Donc là, c'est comme si on avait intégré dans les maisons disques des médias, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont regarder les datas, savoir quels sont les titres qui streament le plus, et puis créer des playlists pour optimiser le business. Évidemment, les comptes clés. Avant, le compte clé qui s'occupait de la FNAC, eh ben, il avait un métier, c'était pas du tout le même aujourd'hui que celui qui s'occupe de Apple. C'est bon pour vous ? En logistique, aussi, beaucoup de conséquences. Alors ça, c'est un gros sujet, évidemment, parce que le digital, là, c'est plus une contrainte qu'une opportunité. Mais ça crée des problèmes bah, du coup, la data peut être mal intentionnée, peut être détournée. Donc, il y a des gros enjeux de protection de ces données-là. Concrètement, ça veut dire que des titres, beaucoup plus facilement, et d'autant plus que, pour revenir à ce qu'on disait en préalable, la production est plus facile à gérer, donc elle est plus facilement exportable. Donc, ce qui veut dire que bah, ça fuite beaucoup. Donc, il y a un gros enjeu chez nous. Vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux. Il y a les artistes qui disent « Ah, mais tiens, mais mon titre est sorti, c'est pas normal, etc. » Bon, c'est des fuites de studio, c'est des incompétences de certains, c'est des malveillances. Donc ça, c'est un gros enjeu, voilà, de protection des données. Le référencement aussi, c'est-à-dire que vous allez retrouver sur les plateformes, si vous faites mal votre boulot, vous allez sortir un titre. Si vous vous appelez Pierre, bah, y a peut-être plusieurs artistes qui s'appellent Pierre, donc ça c'est compliqué. Donc ça c'est aussi un enjeu. Y a des artistes aussi qui se font piquer l'identité. Pour aller même plus loin que ça, il y a des malhonnêtes qui sortent carrément des titres en piquant des titres de certains artistes, voire même en publiant des titres sur des pages. En taguant le nom de l'artiste comme si c'est lui qui avait sorti une chanson alors qu'il n'y a rien de l'artiste dedans. Juste pour créer du streaming. Voilà, vous sortez un son et vous dites que c'est l'artiste Gims qui l'a sorti, alors qu'en fait dedans vous faites c'est vous qui l'avez fait dans votre sous-sol. Et ben en fait les plateformes le sortent. Donc nous on lutte pour voilà, on fait du blocage, de l'infringement pour faire ça. Donc ça, c'est à la fois évidemment, donc c'est clairement un problème pour nous, mais ça a créé des métiers, ça a créé des compétences. Aujourd'hui, le département supply chain d'une maison de disque, c'est sur 200 personnes, c'est au moins 10 personnes. 10 personnes qui, à l'époque, il y avait que 2 ou 3 personnes qui s'occupent de ça. Donc c'est des techniciens. Donc là, on est plus dans un domaine pointu, technique, juridique. Mais de développeurs aussi. Il y a beaucoup de gens qui développent du coup des solutions pour ça. Donc là, on mêle de l'ingénierie et du juridique. Et puis voilà, il y a aussi une conséquence sur la logistique où les clients procurent en fait la possibilité de livrer des nouveaux formats. Donc Apple a sorti son format Dolby Atmos, donc ce qui permet d'avoir un son spatial. Donc, quand vous êtes consommateur, c'est tout bénef pour vous. Pour nous, ça veut dire qu'il faut mixer différemment les projets. Il faut peut-être des fois retourner en studio. Et à la fois, ça peut être aussi un cercle vertueux, puisqu'il y a des artistes qui vont du coup composer autrement leur musique, parce qu'ils vont se dire, ah bah tiens, je vais la produire différemment pour qu'il y ait un effet 360 qui sera écoutable sur Amazon ou sur Apple, etc. Spotify va y venir bientôt, quoi. Donc voilà les conséquences majeures avec donc les métiers à la clé. Voilà, je pense que j'ai fait un peu un parcours un peu global. Je pense que c'est tout. Voilà, toc. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous avez des... Voilà, c'est le moment en tout cas. Oui. J'avais une question. C'était par rapport au graphique qu'on a vu au début avec le chiffre d'affaires de Sony. C'était pas Sony, c'était tout le métier. Tout le métier ? Ouais, j'adorerais qu'on fasse ce chiffre d'affaires. Voilà, ça fait, en fait, il a fallu presque 20 ans pour retrouver le même chiffre d'affaires, ouais, que l'année 2000. Ouais. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que l'industrie elle est très friable à tout changement ? Parce que là, c'était concentré sur uniquement les ventes physiques. Je pense que l'industrie globale, les grosses maisons comme Sony, Warner, etc., n'ont peut-être pas anticipé le changement Internet. Mm.
Est-ce que ça ne veut pas dire que s'il y a un prochain changement après le digital, les maisons ne sont pas forcément prêtes à ça? Alors, c'est une bonne remarque, c'est un très gros risque. Pour info, moi, en 98-99, c'est resté dans les annales de la musique, j'ai assisté à cette conférence d'un grand président de maison de disques à l'époque qui disait « perdez pas votre temps sur Internet, ça ne marchera pas ». Bon, voilà, ça c'est une tarte à la crème, vous en avez sûrement entendu, mais je l'ai vécu ça, vraiment. Et c'est vrai qu'à l'époque, pourquoi ils étaient friands, pourquoi ils étaient, on va dire, réfractaires au changement? Parce qu'ils étaient assis sur un tas d'or, en fait. Il ne faut pas oublier que les maisons de disques, jusqu'avant la crise des fin des années 2000 et l'avènement du digital, c'est que jusqu'à présent, les maisons de disques avaient toujours été leaders du changement. C'est-à-dire que le vinyle, c'est Columbia qui l'a inventé, maison de disques. Fin des années 70, le vinyle perd de vitesse parce que finalement, il faut reconnaître aussi que dans une population, les gens qui consomment de la musique d'une manière ou d'une autre, c'est pas extensible en fait, en gros. C'est-à-dire qu'on est 67 millions, je sais pas, de Français aujourd'hui, les plus grosses ventes de disques, ça va être 1,5 million. Alors, il y a une époque, c'était peut-être un peu plus, mais il y avait beaucoup moins d'offres. Donc en fait, au niveau global, le marché, c'était à peu près kiff-kiff. Vous pouvez pas intéresser 100% d'une population à ce que vous faites. Et donc fin des années 70, ça baissait, parce que je pense que les gens étaient équipés, bonsoir. Ils étaient équipés en vinyle, donc voilà. Et d'un seul coup, Philips, Sony disent, bah, tiens, on va inventer un nouveau support, on va faire le CD. Et hop, les années 80, ça repart. Bulle financière, mais du coup positive. Et voilà. Et après, bah, le CD, les gens, une fois qu'ils se sont rééquipés, etc., ça a rebaissé. Le gros problème des maisons de disques, c'est qu'à l'époque, ils n'ont pas voulu croire là-dedans parce qu'ils n'avaient pas de support. Ils étaient tous issus de technologies. Et quand les petits malins ont commencé à se dire bah, « tiens, on va dématérialiser, on va digitaliser », les maisons disques n'ont pas cru à ça. Elles ont mis énormément de temps, voilà la preuve, pour se refaire. Et voilà, mais c'est vrai que c'est évident, hein, c'est-à-dire que c'était que du physique. Donc aujourd'hui, pour répondre à la question, on essaye d'anticiper, parce que là, on s'est pris une telle baffe que là, aujourd'hui, on se dit bah, « non, on peut pas passer outre ». Donc on essaye d'être... attentif à toutes les formes de start-up d'une manière ou d'une autre pour essayer d'investir avant qu'il soit trop tard ou que ce soit trop cher. Donc tout ce qui est NFT, aujourd'hui j'en parlais tout à l'heure, mais toutes les nouvelles techno entre guillemets, nouvelles façons de consommer de la musique ou du merchandising d'artistes, on essaie de prendre des parts de participation. C'est ce qu'on a fait en fait, les maisons de disques, quand les DSP ont commencé à exister, on a tout de suite mis... toutes les maisons de disques pris des participations chez Spotify, chez Deezer, etc. Sauf chez Apple, elles n'avaient pas besoin. Et d'ailleurs, ça nous a permis, une fois qu'on a revendu les parts, tout le bénéfice qu'on a fait, on l'a reversé aussi aux artistes, pour info. Mais c'est vrai que voilà, c'est le seul truc que les maisons de disques ont fait. C'était trop tard, c'était de prendre la participation. Mais jamais aucune maison de disques n'a voulu créer. Et c'était trop tard, créer son propre Spotify. Okay. Donc aujourd'hui, le seul moyen, à ma connaissance, encore une fois, de mon point de vue, de mon expérience, c'est à la fois donc, d'être en veille sur toutes les bonnes idées et d'essayer d'intervenir dessus. Et après, je parlais de Sony CSL. Donc en fait, il y a une maison comme Sony a aussi un lab en fait, interne pour justement essayer de créer des contenus. Quand je parlais d'intelligence artificielle tout à l'heure, voilà, les maisons de disques ont compris aujourd'hui qu'il fallait à la fois être en veille, mais aussi en interne, créer sa propre émulation. Okay. Donc, ça devient quand même assez risqué parce que c'est beaucoup d'investissement. Il y a de plus en plus d'acteurs, donc moins de rentabilité. Donc, est-ce que ce n'est pas un secteur qui est amené à avoir moins de gros leaders, mais plus de plein de petites structures, ouais, labels, peut-être. Alors, en fait, c'est là où, du coup, comme je disais, comme je vous ai détaillé la proposition de valeur d'une maison de disques, et vous voyez qu'il y a tout un tas de services. Le service logistique, si vous reprenez tout ce que j'ai développé, c'est sûrement pas exhaustif, hein, mais c'était mon point de vue, entre la logistique, entre la promotion, la construction d'audience, le marketing digital, voilà. En fait, aujourd'hui, les maisons de disques, ce sont des couteaux suisses. Quand moi, je discute avec un indépendant qui cherche un distributeur pour prendre cette partie-là de mon business,
aujourd'hui, je ne me contente pas de lui dire, bah oui, je vais te mettre sur Spotify et puis je vais te mettre à la FNAC, évidemment. Donc, je lui ouvre une palette de services. Moyennant compensation, aujourd'hui, je peux lui proposer de gérer son merchandising, son D2C. Je peux lui proposer de faire aussi son marketing digital. J'agis comme une agence. Okay. Au niveau des artistes, quand je parlais de transparence tout à l'heure, ça, c'est un vrai avantage concurrentiel. C'est-à-dire que l'artiste aujourd'hui, il va se dire, bah, tiens, je vais peut-être avoir en tête, ça répondait à une question tout à l'heure, pourquoi les artistes, ils auraient besoin d'une maison disque, hein, parce que parlons-en clairement. Sauf que l'artiste, s'il est tout seul, ok, il va pouvoir produire, il peut avoir ses réseaux sociaux, il va pouvoir les diffuser, faire sa propre promotion, construire son audience, et après, distribuer, c'est l'angle, c'est pour ça que ça arrive en bout de chaîne. La distribution, c'est le truc le plus compliqué à faire, normalement. Mais il y a des artistes qui sont autonomes. Un mec comme Pascal Obispo, lui, il a décidé d'être totalement autonome. Il ne veut pas être sur les plateformes digitales, donc il n'est pas emmerdé. Il a juste à trouver, il s'est associé avec une société pour fabriquer ses vinyles et ses CD, et puis c'est réglé. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il a tort du tout. Je dis juste que c'est une façon de voir les choses. Sauf que nous, les maisons disques, pour éviter d'être justement de ne plus exister dans les 20 années à venir et qu'après il n'y ait plus de colonne du tout, nous on propose, parce que c'est notre ADN, des services. On a toujours accompagné les artistes en fait. Okay. On les a toujours aidés à produire leur musique dans des coups durs, on les a toujours aidés à gérer des crises, etc. Et maintenant on les aide concrètement à créer leur audience, à développer leur audience, mais on les aide carrément, et c'était le point important que je voulais signaler tout à l'heure, au point carrément de leur donner des facilités de paiement. Ce qui n'est pas rien, en fait, dans un business. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres business aujourd'hui où quand vous êtes une relation avec un client, que vous allez lui donner des facilités de paiement, quoi, en fait, comme ça. Mais ouais, non, c'est sûr qu'aujourd'hui, alors, on pourrait aller dans plus de détails, mais si ça vous intéresse, par exemple, chez Sony, on a créé un bureau... en l'occurrence à Berlin, notre direction européenne est à Berlin, et on a créé des directeurs artistiques européens. Donc pour justement faciliter un artiste français qui va chercher un featuring, un guest, un duo, pour conquérir ou essayer de conquérir le marché danois ou bolivien, et bien en fait, voilà, ça va être autant d'antennes. Donc ça, c'est autant de services. Ça, c'est typiquement des services qu'on rajoute pour que l'artiste, finalement, il ait le plus de cartes, en fait, dans son jeu. Là, vous étiez beaucoup en production avant, avec les albums, etc. Vous êtes plus maintenant sur du service. Exactement. C'est pour ça que je détaillais dans la proposition de valeur tout ce que le digital a apporté, c'est tous ces services-là, en fait. Okay. Il y a le label Pluto qui récemment a ouvert justement un service de brand content pour les artistes. Mm-hmm. Et je voudrais savoir si chez Sony Music justement vous allez proposer justement. Alors je ne l'ai pas mis là parce que ce n'est pas le digital qui l'a créé, ce département-là. Il a toujours existé. Chez Sony, historiquement, en 98, la première fois qu'on a gagné la Coupe du Monde de football. Ça, vous verrez les archives aussi, c'est pareil. C'est l'année de naissance d'Mbappé, par exemple. On avait la licence Donc, on avait déjà, en fait, ce département du brands. Donc, aujourd'hui, chez Sony, si on parle des services, ce que je n'ai pas développé là parce que ce n'était pas le sujet, mais on a le brands, donc tout ce qui est endorsement, tout ce qui est partenariat avec des marques, et puis tout ce qui est synchro aussi. Donc en gros, pour aider les artistes, une fois qu'ils ont composé, enfin qu'ils ont produit de la musique ou qu'on a produit pour eux de la musique, de faire en sorte qu'ils soient repris sur une pub ou dans un film, un long métrage, sur Netflix ou autre. Et c'est un enjeu majeur de business aujourd'hui. La synchro, on la voit là d'ailleurs. La synchro, c'est quand même c'est assez récurrent, mais ce n'est pas négligeable du tout comme revenu. Et le brands, à mon avis, il n'est pas intégré dans ces revenus-là. Là, c'est vraiment les revenus du master, en fait, en gros. Le brands, c'est des revenus annexes. Quand on fait une opération avec Gims, par exemple, et Magnum, qu'on a copiloté avec Playto, parce qu'on distribue Playto aussi, entre autres. Donc on s'associe. Et là, on intervient comme une agence. D'ailleurs, chez Sony Music, le département brand ne travaille pas uniquement les artistes Sony Music. On agit comme une agence, et si on a un appel entrant d'une marque qui cherche un artiste qu'on n'a pas dans notre roster, soit parce qu'on l'a, mais l'artiste, il n'a pas envie, soit qu'on n'a pas du tout,
Et ben en fait, on peut s'en faire l'écho et travailler avec d'autres maisons de disques et travailler avec d'autres artistes. Je pense que ce qui est de là à là, ce que les maisons de disques ont appris, c'est d'être moins cons, d'être moins tournés sur eux-mêmes et d'être moins orgueilleux, quoi, tout simplement. Beaucoup plus humble. Donc c'est pour ça que tout le discours de la transparence auprès des artistes, de l'accès aux data, du partage de la data, sans tomber dans les travers du « ça serait bien que tu chantes ça parce que je me rends compte que sur YouTube, il y a une tendance qui fait que… » Ça, il y en a qui aiment bien faire ça, mais ça a toujours existé. Hein. À l'époque des boys bands, on n'avait pas besoin de data. Quand il y a To Be Free, ils arrivent. Encore une fois, il faudra aller sur l'INA. Et ben en fait, d'un seul coup, tout le monde des maisons disques sortent leur truc. Hein. Sort la lambada, il y en a 15 qui arrivent derrière. Donc voilà, ça, c'est la copie, on va dire, n'est pas propre à la maison de disques. On peut appeler ça de l'inspiration. Mais ouais, donc aujourd'hui, nous, on est en mode hyper humilité. Le Rob Stringer, qui est le patron monde de Sony Music et de Sony Publishing, donc la partie édition éditoriale de Sony, j'ai jamais vu quelqu'un, ça fait 25 ans que je suis chez Sony, avec autant de discours de transparence. Donc, pour aider les artistes. Pendant le Covid, qui n'est pas fini, j'ai pas de masque, on a mis en place des cellules psychologiques. On a permis aux artistes d'avoir des psys payés par Sony, par exemple. Donc voilà, ça, c'est pas de l'ingérence, hein, ça, c'était de la proposition. C'est-à-dire, voilà, si vous vivez mal, alors pour les employés aussi, hein, pour info, mais aussi pour les artistes. Moi, j'aurais une question sur un format qui revient très très fort, le vinyle. Vous, chez Sony, est-ce que vous pouvez plus ou moins expliquer comment ça se fait qu'il y a un regain du vinyle? Alors, effectivement, le vinyle aujourd'hui, ça représente 30% des ventes physiques. C'est énorme. C'est énorme au point que on n'arrive pas à fournir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on avait suffisamment la capacité de fabrication, ça serait beaucoup plus élevé que les 30%. Pourquoi ? Parce qu'on a fermé tout, on a détruit toutes les presses dans les années 2000. Encore une fois, précurseur, hein, on avait le nez. Et du coup, on a réussi à récupérer des presses, mais on n'avait plus personne pour les faire marcher. Bon, ben voilà. Et donc, l'explication de ça, je pense que ça vient... parce qu'en plus, ce qui est rigolo, pardon, c'est que ça touche toutes les populations. Mais ça touche surtout les populations plus jeunes, c'est-à-dire celles qui sont capables, non pas de renouveler, comme les plus âgés comme moi, qui vont vouloir se dire « Ah bah tiens, je ne l'ai pas en vinyle celui-là, ça va me rappeler le bon vieux temps ». Là, on est dans la catégorie merchandising, on est dans la catégorie affectif, je veux partager un maximum de choses avec mon artiste. Donc, on est dans le côté, aujourd'hui, la majorité des revenus vient de la population de moins de 25 ans sur le vinyle. C'est-à-dire qu'il est même fort probable, d'après les statistiques qu'on a, que 50% des vinyles ne sont jamais ouverts. Donc, c'est devenu un objet. Exactement. Et c'est devenu un objet parce que c'est joli, parce que d'un seul coup, ça met plus en avant le graphisme. Donc sous les cadres, etc. Enfin voilà. Et puis il y a ce côté mode en fait. C'est vrai. Encore une fois, on en revient sur une niche. Hein, faut pas oublier. Je vous dis meilleure vente, c'est 1,5 million, c'est Johnny. Enfin il y a eu Stromae. Mais oui, vendre 1 million de disques aujourd'hui en France, c'est rarissime. Le disque d'or, il a 50 000 exemplaires. Il était à 100 000 il y a 25 ans. Donc on est sur une niche. Donc forcément ça se voit tout de suite. Et dès que C'est devenu à la cool, quoi. Voilà, c'est vrai, on achète un vinyle parce qu'on fait partie d'une catégorie socioprofessionnelle. On a envie de montrer qu'on est fan de musique, qu'on s'y connaît. Et donc, c'est du développement personnel presque. Aujourd'hui, c'est assez marrant parce que je vous dis, c'est surtout 50% des vinyles d'après nos statistiques qui sont jamais ouverts. Donc, et aujourd'hui, quand vous faites si vous allez en soirée, vous allez plus facilement offrir un vinyle. Peut-être même qu'une bouteille de pinard. À l'époque, vous offriez des CD. Là, maintenant, si vraiment vous n'aimez pas la personne, vous lui offrez un disque. Mais, ou alors, vous lui offrez s'il a 3 ans. Mais voilà, maintenant, vous allez offrir un vinyle, c'est cool. Donc voilà. Mais si, on adorerait avoir plus de capacité de production.
J'ai une dernière question. C'est par rapport aux plateformes comme TikTok, par exemple, il y avait eu des problèmes entre les maisons de disques et la plateforme, parce qu'il y avait eu des questions de droit, justement, d'utilisation. Et il y a aussi Twitch aujourd'hui, qui est une plateforme de gamers, mais qui est en train de développer énormément, notamment dans la musique. Je crois que c'est Warner, d'ailleurs, qui a signé un accord avec. Exactement. Ouais. Et je voudrais savoir comment vous vous positionnez par rapport à Twitch, en fait, par exemple, le développement de ça. Bah, alors, en fait, par rapport à tous ces clients, tous ces nouveaux acteurs, nous, notre rôle, c'est de garantir la libre circulation des œuvres dont on a la charge, en fait, soit en licence, soit en distribution, soit en production propre. Et donc, évidemment, nous, notre rôle, c'est de protéger les droits de nos ayants droit. Donc, quand YouTube est arrivé et qu'ils nous ont dit on va diffuser ça, mais on vous reverse, voilà le fameux value gap dont vous avez peut-être entendu parler, c'est qu'à un moment donné, nous, on lutte avec tous les syndicats et toutes les maisons de disques, et pas que les majeurs, hein, tout le monde est solidaire, évidemment, heureusement, on essaye de réduire ce gap de revenus. Donc, on lutte. On discute beaucoup. Alors, sur les DSP, on discute avec aussi le user-centric. Je ne sais pas si vous avez entendu, voilà. Donc, on essaie de valoriser, en fait, les revenus de nos ayants droit. Donc, dès qu'il y a des nouveaux acteurs, on essaie déjà d'être vigilant pour qu'ils respectent les normes du copyright, du droit d'auteur, et du coup, de la libre utilisation des masters. TikTok, on a fait un accord avec eux. Ça y est. Donc, en fait, TikTok, c'est devenu un client. Des revenus sont générés via TikTok. Alors, c'est des extraits de 30 secondes minimum, plus un peu plus derrière. Mais aujourd'hui, c'est un vrai partenaire, à la fois marketingement parlant et promotionnellement parlant, mais aussi financièrement parlant. Et Twitch, ça va y arriver aussi. En fait, dès qu'il y a un nouvel acteur, alors soit effectivement, il y a des maisons de disques type Warner voilà, qui vont investir là-dessus. Mais comme je vous disais tout à l'heure, sur Spotify et Deezer, on avait pris de l'equity, en fait, dans ces nouveaux acteurs, dont on a reversé les bénéfices après, comme je disais, aux artistes. Donc Twitch, voilà, nous, je ne suis pas dans le secret de tout, mais chez Sony ou dans des autres maisons de disques, il y a des prises de participation plus ou moins officielles. Et puis, il y a surtout des volontés de développer des propres systèmes. Mais en tout cas, voilà, nous, on essaye d'être garant de juste équilibre d'exploitation et de revenus. Ce qui n'est pas forcément évident parce que clairement, un TikTok, quand il arrive, ils ne nous préviennent pas. Donc, concrètement, ça veut dire que financièrement, on fait des provisions. C'est-à-dire qu'on demande du MG à ces gens-là pour exploiter notre catalogue. Puis après, c'est d'une manière très empirique. On leur demande un minimum garantie, on le reverse entre nous. Puis après, on voit quel est le volume de business, quel est le camembert à se partager. Et après, on calcule des contrats en fonction. Allez, Virginie, toi là. Moi, je reviens juste sur quelque chose que vous avez évoqué sur les nouveaux outils d'IA par rapport à la création. Et je me demandais, artistiquement parlant, selon vous, ce serait plus une opportunité ou une menace? Les nouveaux outils d'intelligence artificielle, c'est de toute façon, on est condamné en fait à le faire. Donc, il faut qu'on le voit comme une opportunité. La menace, c'est effectivement les détracteurs vont vous dire que ça va remplacer les musiciens, que ça va remplacer les compositeurs, que ça va remplacer, voilà. On n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour faire bosser des gens à la chaîne. Il faut savoir un truc, c'est que dans les années 60 et même 70, la plupart des artistes qu'on signait, qui ont fait d'ailleurs des belles carrières, dont je tairai les noms, mais ils ont commencé par, compositeurs et écrivains à la chaîne. En fait, l'essence au départ des maisons de disques, quand on signait des artistes, ils avaient leur bureau et puis ils passaient leur temps à faire des chansons. C'est vrai que ça paraît évident aujourd'hui quand on dit, bah tiens, Serge Gainsbourg, il a écrit pour un tel, Bidule, puis Jean-Michel Jarre, c'est lui qui a écrit les mots bleus de Christophe, et puis Christophe a écrit des trucs et machin. Et parce qu'à l'époque, c'était leur métier. C'était pas que du kiff. Donc en fait, on n'a pas attendu en fait, ce truc-là pour, entre guillemets, perturber l'organique, si je puis me permettre. Donc, l'intelligence artificielle, il va falloir des garde-fous. C'est sûr que la question qui se pose, c'est bah oui, mais il n'y a pas de droit d'auteur. Alors, est-ce qu'il va y avoir un droit d'auteur pour celui qui a conçu la machine et le logiciel? Alors, ça, c'est encore une autre question. On n'est pas à l'abri. Hein. De toute façon, on court toujours après. C'est très schumpeterien, tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de créer, de construire, et puis on recontinue, et puis tout ce qui détruit nous rend plus fort, etc. etc. Donc, voilà. Donc, moi, mon expérience, en tout cas, chez Sony et par rapport à Sony et CSL avec qui on travaille bien, c'est que c'est un laboratoire. Déjà, on force personne.
Et puis aujourd'hui, on n'arrive pas, et d'ailleurs les spécialistes de l'IA chez Sony CSL le disent, on n'arrive pas à recréer l'émotion, ça ne s'improvise pas l'émotion. Donc on peut créer de la musique qui ressemble à, on peut créer de la musique à la chaîne, on peut créer de la musique qui va vous sentir, des bruits qui vont vous faire sentir bien, comme il y a des trucs qui cartonnent, des bruits de pluie, les bruits d'orage, le feu de cheminée sur Netflix, enfin je sais pas si vous faites ça des fois, c'est pas grave, faut en discuter avec un ami, mais c'est tout. Et en fait, on va peut-être effectivement créer de la musique artificielle de feu de cheminée, par exemple, ça va nous, pour éviter d'aller mettre deux micros un jour, bon bref. Mais quelque part, là, l'émotion. De toute façon, ce qui est rigolo dans la musique, bon, encore une fois, ça fait 25 piges que je suis là-dedans. On n'a jamais réussi à inventer quelque chose avec certitude. Et à chaque fois qu'il y a eu un succès, ça a toujours été presque un accident. C'est-à-dire qu'on est vraiment presque dans un monde de sérendipité totale. Les succès récents, c'est quoi ? C'est Angèle, bon, c'est un style particulier, on va dire, on ne peut pas dire qu'elle ait copié quelqu'un. Stromae, pareil, il est arrivé, il a un style à lui, voilà, on ne peut pas dire que c'est le nouveau machin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Jane, chez Sony Music, je ne sais pas si... Voilà, c'est vrai qu'elle est arrivée, mélange de culture, on ne disait pas, bah oui, elle va faire du bidule. Après, on peut toujours trouver des inspirations, mais quelque part, ça a toujours été des artistes avec une vraie proposition, une vraie singularité. Et la singularité qui génère l'émotion, on aura beau faire des logiciels, des trucs dans tous les sens, on sera toujours à la bourre de quelque chose. Parce que le logiciel, il prend ce qu'il connaît déjà et pour créer quelque chose. Donc, l'artiste, il sera toujours au-dessus. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Hein, mais après, qu'est-ce qui va se passer dans le métavers ? Comment on va se démerder là-dedans, je sais pas, les avatars, le jour où ils vont faire la guerre et tout ça, et quand il y aura Terminator, on ne sait pas. Mais voilà, non, c'est sûr qu'aujourd'hui, encore une fois, moi là, je suis là pour vous partager l'expérience modeste et tout ça, en toute humilité, évidemment, de tout ce que je vois. C'est aussi, moi, comme je suis passé par Rennes, un moyen de vous donner quelques repères, si toutefois, dans l'assistance, il y en avait qui avaient voilà, des interrogations et un début d'intérêt pour ce genre de métier. Donc, c'est pour ça que je vous balance toutes ces informations-là, mais elles sont très personnelles. Non, allez-y. Non, c'est ton moment, pose ta question. C'est juste une question par rapport au métier relatif à la data science. Pour vous, ce qui vous intéresse, c'est plus des profils ingénieurs ou plus des profils, entre guillemets, analystes ? C'est les deux, en fait. Alors, là, pour le coup, c'est une question... Je vais être assez mesuré dans ma réponse parce que pour en discuter souvent avec le RH. Et puis je reviendrai sur un point que je disais tout à l'heure, c'est que 50% des métiers d'aujourd'hui, il y a 4 ans, ils n'existaient pas. Donc en fait, la vérité d'aujourd'hui, ça ne sera pas la même que dans 3 semaines. Nous, aujourd'hui, on a des profils. On a embauché notre premier data scientist il y a 4 ans. Quelqu'un qui avait vraiment un profil limite geek, technicien total, qui ne connaissait rien à la musique. Et on en a embauché plusieurs, des gens comme ça. Donc après, leur profil, voilà, ça peut être une école d'ingénieur, ça peut être quelqu'un qui craque des choses dans son coin. Enfin, nous, en fait, on se doit de récolter la data, donc via les API des clients sur lesquels on est branché, etc., de récolter notre propre data via le D2C, via les réseaux sociaux et tout ce qu'on peut développer, nous, en interne. Donc, il y a un gros travail de récolte et après d'analyse, donc de mettre tout ça en forme. Ça, c'est la deuxième étape. Pour la troisième étape, avoir des spécialistes qui vont dire « qu'est-ce que je fais de cette information-là » Donc, et ça, par exemple, « qu'est-ce que je fais de cette information-là » Pour reprendre un des exemples que je vous citais sur le sourcing. Quand je vous disais voilà, qu'on arrive à récupérer de la data machin sur les charts de viralité, et bien là, en fait, sachez que chez Sony, comment on va analyser donc la troisième partie. Donc on collecte, voilà, on collecte et puis on met en forme. Et bien en fait, on va analyser par groupe de travail. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas confier ça à un profil. Il va y avoir des groupes de travaux avec un directeur artistique, un mec du commercial, une fille du commercial, parce que c'est de très diversité, hein, rassurez-vous. ou non-genre, voilà. Et puis quelqu'un de la data.
Donc, en fait, voilà, on a d'ores et déjà décidé de ne pas confier ça uniquement à un directeur artistique qui ne saura peut-être pas forcément lire, ou un commercial qui va uniquement regarder les chiffres et qui ne va pas avoir peut-être le côté émotionnel de la chose, et un analyste qui va juste voir des graphiques et qui va se dire bah, « ça progresse de X% de plus que l'autre, donc c'est celui-là sur lequel il faut aller ». Donc, on a déjà décidé que ça serait une relation à trois. Avec une même donnée, on peut le voir plusieurs fois. Complètement. Puis après, c'est un pari. Hein. Quand vous avez en face de vous un artiste, que ça vienne de la data, parce que qui vous a été approché, enfin, amené, on va dire, par quelqu'un qui vous dit « Tiens, ce truc-là, ça fait tant de vues sur TikTok, ça a créé tant de vidéos, en 3 semaines, il se passe un truc », bah après, c'est une relation humaine, c'est un coup de cœur, mutuel d'ailleurs. Hein. L'artiste, il va faire le tour des popotes, et puis s'il vous trouve pas bon, bah, il va aller à la concurrence, et c'est le jeu. Et vous, de même, d'un coup, vous dites « Est-ce que j'ai quelque chose à lui apporter ?» Moi, quand je discute avec un artiste ou avec un label, la première question que je lui pose, c'est « De quoi tu as besoin ?» Voilà, c'est-à-dire que si je l'ai en face de moi, c'est parce que son travail m'intéresse, son talent m'intéresse à minimum, ou son catalogue, mais c'est « De quoi tu as besoin ?» Et est-ce que je suis le bon partenaire, in fine ? C'est-à-dire que si ses besoins ne correspondent pas à ce que moi, je peux lui apporter, ça ne sert à rien de continuer. Donc, c'est pour ça que la vérité de la data, évidemment, elle ne peut pas se résumer à ça. On a des questions en ligne. Oui, j'allais poser la question, pardon. Alors, du coup, il y a Lucilla qui demande « On a évoqué tout à l'heure la friabilité du business. Est-ce que vous pensez que le niveau de consommation de musique peut être amené à diminuer ? Notamment si on pense au fait qu'il y a énormément de sorties. Par exemple, il y a beaucoup de sorties le vendredi à minuit et ça peut être compliqué d'être à jour. Est-ce que c'est un modèle pérenne selon vous ? Alors, il peut y avoir une question technique là-dedans. Donc, il n'y a pas de problème d'embouteillage. Déjà, si j'ai bien compris cette question-là, à minuit, tout va bien. Il peut y avoir encore beaucoup plus que 60 000 titres par jour. C'est bon, les tuyaux ne vont pas exploser. À moins que les serveurs, à un moment donné, pour des raisons écologiques, ça pose un problème, ce qui est possible. Mais pour l'instant, non, ce n'est pas le cas. Là où il y a un embouteillage, c'est sur la visibilité. C'est sur la manière de promouvoir et de mettre en avant justement tous les titres qui sortent. Donc, le risque d'une consommation, on va dire, qui baisserait, je ne pense pas. Je pense que ça ne peut que augmenter, parce qu'en fait, déjà, aujourd'hui en France, on doit avoir moins de 9 millions d'abonnés payants à des comptes payants, donc Spotify, Deezer, Apple. Aujourd'hui, je crois qu'on est, sur une proportion, parce qu'il faut ramener ça évidemment au foyer, pas à l'individu, avec les comptes famille et compagnie. Et donc, au niveau foyer, on doit être peut-être à 30% d'équipement des foyers. Aux États-Unis, ils sont à plus de 50%. Donc déjà, on a de la marge encore au niveau de la consommation. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Je pense que ça ne peut que augmenter. Et puis l'intérêt, a priori, après le risque pour que ça baisse, donc ça serait pas d'un point de vue technique comme je disais, je pense pas. Ça pourrait être un désintérêt d'une certaine population quand je parlais de diversité et de problèmes culturels en fait. Si à un moment donné une certaine population ne s'y retrouve plus. Par exemple, si on avait, pour reprendre l'exemple de l'urbain, si on avait 95% d'urbains de mis en avant sur les plateformes digitales, etc. Bah celui qui n'écoute pas d'urbain, il pourrait effectivement faire autre chose. Bon, donc c'est pour ça qu'il y a, il y a un vrai principe de diversité sur lequel nous, on appuie. On ne signe pas que de l'urbain, d'où mon exemple aussi de mon label Jeunesse, où moi, je fais des audioplay, comme je disais. Enfin, voilà, donc on essaie de développer tout ça. Je ne suis pas le seul à faire ça. Donc je pense que voilà, il n'y a pas de risque là-dessus. Et notamment parce que les signes montrent que même les projets les moins streamés, donc là par exemple la variété française, pour ne pas la nommer, donc celle de même quand j'étais même pas né, vous imaginez un peu, c'est vrai que pendant un moment on s'est dit waouh, on va jamais basculer, on va jamais arriver à intéresser une population. Ben là, entre mon exemple de Gérard Lenormand avec tous ses petits copains sur TikTok, ils disent ouais, bienvenue Gérard, c'est bien, moi aussi j'ai 76 ans, tu vas voir, on va bien les avoir. Ça, c'est rassurant. Il avait déjà 5000 abonnés en 2 jours. C'est pas rien. Bref, et là, je vois que, si vous voulez, nous, on suit les données. Le digital progresse entre 15 et 20% par an en ce moment.
Eh bien, en fait, c'est la même chose sur le catalogue variété française. Donc, on progresse autant que le marché. Donc, on n'observe pas un décrochage au profit d'une autre musique. Mais voilà, comme je disais, il faut quand même être vigilant pour continuer, et ça, c'est l'objectif des maisons de disques, et de Sony en particulier, de continuer à jouer la carte de la diversité. C'est hyper important pour nous de continuer à faire du jazz, de la musique classique, de la musique pour la jeunesse, et c'est un enjeu majeur. J'espère avoir répondu à la question. J'espère aussi. La personne ne s'est pas déconnectée depuis. Vous pouvez parler aussi. Oui, merci beaucoup. Ah ben super. Oui, merci beaucoup, Aldi. Mais c'est des questions. On aimerait. Enfin, c'est pour ça que d'ailleurs le business. Là, c'est avec uniquement. Donc en 2020, il devait y avoir 8 millions de comptes en fait. Donc c'est déjà pas mal en fait, comme performance. Mais ça pourrait être beaucoup mieux. Il faudrait que ça soit remboursé par la Sécu, par exemple, payé avec la carte vitale. Ça serait bien quand même. C'est sûr que toutes les discussions sur l'accès à la musique, l'accès à la connaissance, le pass culture du gouvernement, là, bon voilà, c'est juste pour dire que tout ça, ça va dans le bon sens. Mais il y a un vrai travail d'éducation pour éviter que les mômes considèrent qu'il y a que Nino ou Damso ou qui existe. C'est bien, hein, mais c'est pas suffisant. Moi, j'ai une question par rapport justement au streaming et aux anciens formats. Vous, personnellement, vous trouvez ça comment, le fait que maintenant, avec le streaming, les gens ils prennent plus le temps d'écouter la musique? C'est vraiment, comme vous dites, il n'y a plus d'albums, c'est des titres. On va écouter une musique 30 secondes. Par exemple, si on parle de musique urbaine, on va dire « Ah bah non, l'instrumental, elle ne me plaît pas, hop, c'est à la suivante. Ah bah là non, le terme de voix, il ne me plaît pas, hop, suivant, que ce soit musique, artiste, ou des fois, bah, label, sub-label ou quoi, c'est… Enfin maintenant, ça se consomme beaucoup. » Alors déjà, je ne suis pas sûr que ce soit nouveau. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, à l'époque, chez eux, si les gens, ils zappaient ou pas. C'est-à-dire que déjà, c'est une question qu'on se pose, hein, en fait. Quand je dis que 50% des vinyles sont achetés, ils ne sont pas décellophanés, si ça se trouve, en CD, c'était la même chose. À partir du mois de septembre, un CD sur deux acheté, il est acheté pour être offert. Donc, il y en a beaucoup qui ont peut-être parmi vous reçu des disques qu'ils n'ont jamais achetés, jamais ouverts, donc, etc. Et après, on ne sait pas, en fait, combien de fois les consommateurs écoutaient de la musique. On n'a pas cette information-là. Donc, aujourd'hui, on l'a. Donc, effectivement, on est tenté de se dire que les gens zappent plus. Le taux de skip dont je parlais tout à l'heure de 23%, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On n'a pas de référentiel. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Après, aujourd'hui, il y a des gens qui vont écouter une certaine musique qu'ils n'avaient pas l'habitude d'écouter avant. Et là, pour le coup, ils vont l'écouter sur la longueur. Alors, c'est pour ça qu'on crée des playlists. Parce que du coup, même s'il n'y a plus forcément des albums, on va créer des playlists avec des centaines de titres. Il y a une musique qui me vient en tête, mais il y en a sûrement d'autres, bien entendu, mais c'est la Lo-Fi. Lo-Fi. Je ne sais pas si vous écoutez ça. Ah ben là, on a des taux de skip à 5%. Hein. Ah ben, voilà. Et en l'occurrence, d'ailleurs, ça crée aucune audience d'artistes. Hein. Les artistes, on s'en fout. On ne sait pas qui chante. Enfin, qui chante. J'en parle en l'occurrence. Mais... Lo-Fi, c'est tout. Exactement. Donc la Lo-Fi, moi j'ai sorti un album de Lo-Fi. On n'a fait aucun stream parce que le mec, il avait l'habitude d'être dans deux playlists à New York qu'on n'a pas eu. Ah ben, ça s'est vu tout de suite. Hein. C'est-à-dire que là, le radar de sortie n'a pas marché. Mais c'était un test que je voulais faire exprès. Ça prouve bien que l'intérêt de l'artiste, alors que c'est un artiste qui avait 1 million d'auditeurs mensuels sur Spotify, on n'a fait aucun stream. Donc ça veut dire qu'il y a donc cet usage-là, finalement, de l'album, il existe. Ça veut dire que les gens, alors pas forcément de l'album de l'artiste, mais du style musical, donc tout ce qui est mood, en fait, voilà. Et après, donc ça veut dire qu'on arrive à reproduire la notion de l'album. Après, il y a des artistes qui arrivent quand même à construire des albums, peut-être que dans un futur, bon, on l'a déjà fait en l'occurrence, mais des albums commentés, ça existe aussi. L'artiste va vous faire partager en fait sa création. Ça fait partie des audioplays dont je parlais tout à l'heure. L'artiste va vous dire, bah tiens, voilà, j'ai fait. C'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, Vianney quand il avait sorti son album avec Spotify, il y avait une opération particulière où il décrivait en vidéo chaque début de chanson. Dans la collaboration avec Genius ou sur Spotify, par exemple, il y avait les paroles et les annotations. Il y a ça aussi, exactement, exactement. Ça fait partie de ce truc-là.
Donc en fait, c'est à l'artiste à chaque fois. Comme on en revient à l'essence, hein, je vous disais tout à l'heure, l'artiste, son rôle, il a une singularité. Et c'est cette singularité-là qui va toucher ou pas les gens. Donc nous, notre rôle, c'est de sublimer comme on peut, avec beaucoup d'humilité, mais cette singularité-là. Donc en fait, si demain, l'artiste, il faut toujours qu'il soit singulier, donc qu'il soit différent de ce qui a été fait. C'est ça qui crée l'émulation. Donc demain, l'artiste qui va se dire, on est trop dans un monde de track business, moi, je vais faire à l'inverse, je vais faire un album de 30 titres, une espèce de pièce musicale avec des morceaux de 22 minutes chacun, je veux bien vous avoir, et ben, peut-être que c'est que les gens vont se dire, oh, c'est génial. Ça, c'est ce que faisait Pink Floyd dans les années 70. Hein. Parce qu'ils se sont dit, tiens, allez, on va faire un truc, paf, on va faire des titres de 15 minutes. Et à l'époque, tout le monde disait, mais t'es malade. Ça passera jamais en radio, et au final... Exactement. Et à chaque fois, voilà, Queen, le titre, enfin, voilà... Exactement. Pour la radio, au final. Bah, vous avez tous vu le film, évidemment. Non, mais voilà, c'est exactement ça. Donc, en fait, c'est pour ça, ça revient, je disais tout à l'heure, hein, sur l'IA, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a tellement pas de vérité. La seule vérité, c'est... Enfin, c'est le public qui décide. Ça, c'est la grande phrase. Ça nous aide bien, d'ailleurs, parce que comme ça, on dit que c'est jamais de notre faute. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous, quand vous écoutez de la musique, pourquoi vous la réécoutez, pourquoi vous aimez un artiste, un style de musique, c'est que ça vous provoque des choses. Parce que c'est le lifestyle de l'artiste, soit parce que c'est ses déclarations, c'est son style, c'est ses paroles qui vous touchent. Sans oublier que ça peut être aussi la musique, hein, parce que la musique, c'est des ondes. Bah, je ne vais pas rentrer dans des délires, mais d'un point de vue neuronal et la neuropsychologie en musique, on en fait de plus en plus. On a créé des albums de musique pour chats et pour chiens qui soignent les clébards, bien sûr. Et en fait, il faut savoir aussi, il y a de la musique aujourd'hui, la lofi ou beaucoup de musiques comme ça sont utilisées par des psychiatres et des neurologues pour... je dirais évidemment pas soigner, j'adorerais, mais pour aider Alzheimer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de scientifiques qui se rendent compte que c'est le principe de la musique et de la récompense. Pourquoi on aime un morceau? C'est parce qu'en fait, on connaît la suite. On sait ce qui va arriver. C'est pour ça qu'on aime. On peut avoir un coup de cœur immédiat sur une musique qu'on écoute pour la première fois, mais en général, on l'apprécie. Enfin, on l'aime vraiment quand on l'a écouté plusieurs fois. Pourquoi? Parce que c'est le cerveau reptilien machin qui va se dire j'ai l'hormone de la récompense parce que je sais ce qui va se passer derrière et je sais que je vais aimer. Et en fait, du coup, ça aide encore une fois certains malades d'Alzheimer pour faire marcher le plus possible les neurones par rapport à ça. Donc du coup, la notion d'album, voilà, la notion de consommation, peut-être qu'elle va changer aussi pour revenir à ça. Et que demain, un artiste singulier va se dire, moi, tu vois, je vais faire un album concept comme on en faisait au bon vieux temps, et puis c'est ça qui va faire en sorte que les médias vont s'y intéresser. Très bien. Je crois qu'on va prendre une dernière question, et bien puis sûr. On va vous inviter après. On peut passer, j'ai des boissons et des choses à grignoter sur l'autre côté de ce niveau. Donc voilà, une dernière petite question. Ouais, une question en ligne donc, de Guillaume. N'hésitez pas à préciser si besoin était. Alors, vous avez parlé à plusieurs reprises de sujets liés au Web 3.0, NFT, Metaverse, en expliquant que les grands labels comme Sony investissent dans les projets qu'ils considèrent solides. Dans la limite de ce qui est communicable, j'aurais aimé connaître un peu plus précisément à quel point l'urgence de l'adaptation à cette évolution de l'industrie était gérée dans les gros labels. Un nombre grandissant d'artistes, américains principalement, mais aussi français, commençant à se tourner vers la vente de leur musique en NFT. Merci. De rien, merci pour la question. Alors, aujourd'hui, on a... En fait, un NFT, c'est quoi? C'est un certificat qui peut certifier n'importe quoi. De l'audio, de la vidéo, du print, etc. Donc, en fait, n'importe qui peut produire une œuvre qui va être vendu en NFT. Ce qui veut dire qu'on n'a pas forcément de compétences particulières à avoir là-dessus. Ce qu'on fait là en ce moment, c'est qu'on se rapproche des marketplaces, parce qu'on a besoin de passer par des marketplaces pour exister sur les blockchains. Donc en fait, nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on se rapproche de certaines marketplaces, prendre des participations dedans, pourquoi pas en racheter. C'est quand même plus simple de racheter quelqu'un de compétent plutôt que de repartir from scratch. Et donc voilà, je n'ai pas de secret à cacher parce que je ne sais pas réellement où on en est. Donc voilà. Mais je sais que c'est une priorité absolue
depuis l'année dernière, lors d'un colloque commercial Monde, où le directeur commercial Monde de Sony a clairement mis un slide en disant, c'était l'année dernière, donc c'était encore le tout début, en disant, voilà, les NFT, on va s'y intéresser. Donc, par le jeu voilà, d'association avec des marketplaces qui nous proposent à la fois la diffusion et surtout la promotion de ces NFT. Parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que, encore une fois, fabriquer quelque chose, un visuel, un son, ok, facile. Le mettre via une crypto, peu importe, le rendre disponible sur le marché, on va dire, du NFT, c'est possible. Le truc, c'est qu'il faut en faire la promotion. Donc, en fait, c'est lié à une question de supply chain, mais aussi de marketing promotion. Donc, en fait, on s'associe avec ce qu'on appelle les marketplaces qui arrivent à développer ça. Donc c'est une priorité pour Sony, parce qu'il faut qu'on soit présent idéalement sur tous les business, avec le bémol qu'on essaye, encore une fois, je reviens à la question de préserver les intérêts de nos artistes. Il y a beaucoup aussi en ce moment d'abus, il y a beaucoup de piraterie, il y a beaucoup de fake, donc on évite aussi d'y aller les yeux fermés pour faire prendre des risques à nos artistes. Parce qu'encore une fois, nous, on n'a pas de... On ne ferait pas un NFT avec le logo de Sony, par exemple. On utilisera toujours les assets de nos artistes. Donc, on essaye à la fois d'être proactif, discuter avec les acteurs et créer nos propres contenus, mais tout en essayant de faire gaffe à ne pas brûler les étapes, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup d'artistes qui se sont lancés dans les NFT, qui se sont fait déposséder. Il y a quand même eu récemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais des problèmes de piraterie de certains NFT. Il y en a qui ont tout perdu. Et puis nous, on note aux États-Unis une baisse en fait, de l'intérêt. C'est-à-dire que c'est comme tout, il y a une nouveauté, il y a les early adopters, voilà, ça fait marrer, puis après, le niveau se stabilise. Donc nous, on est toujours à la fois partagé entre la volonté et la nécessité d'être à minima au courant, intervenant et pédagogue sur ces sujets-là, mais en évitant de faire prendre des risques à nos artistes, parce qu'au final, nous, on n'est rien sans nos artistes. Hein. Donc voilà. Mais par exemple, pour aller plus loin dans cette question-là, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le contenu, nous, chez Sony, on produit de plus en plus de contenu. Donc on a des studios, on a des studios vidéo, audio, on crée nos propres contenus. Donc aujourd'hui, encore une fois, créer n'importe quoi peut devenir un NFT. Donc, c'est pas ça l'enjeu, en fait. L'enjeu, ça va être surtout la distribution sécurisée et la médiatisation. Il y a beaucoup d'artistes. Alors après, c'est bien aussi d'essayer de se planter. Hein. Nous, on fait ça souvent, hein. C'est pas un problème. Mais derrière, il faut pas que l'artiste soit piégé par une volonté un peu trop légère de notre part, quoi. J'espère que ça a répondu, sinon il faut hésiter. Il va bien avoir un compte.